Salut à tous, c'est Chanel. Donc cette fois-ci, on se retrouve sur Temtem pour un nouvel épisode. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que vous voyez, j'ai avancé. Je me trouve donc à la ville, devant le dojo. Et comment dire... Alors, j'avais lancé l'épisode. J'ai fait mon épisode, j'ai fait toute cette partie-là. J'ai avancé, surtout que ça a été intéressant, puisqu'on a retrouvé Carlos. On a parlé avec des archidresseurs. On a les soupçons... du chef, qui est le chef du clan Belsoto, et ce serait le chef du dojo. Donc on va aller le confronter. Le seul problème, c'est que j'ai fait cette partie d'épisode, j'étais super contente et tout, et vient le moment où je veux arrêter l'épisode, et je viens de remarquer que j'ai pas enregistré l'épisode. Je suis désolée, donc c'est un peu amputé, je suis dégoûtée même. En plus, j'y étais allée de bon cœur. Donc voilà, c'était la petite anecdote et je suis désolée. Donc du coup, on va directement enchaîner avec le dojo. Sans plus d'explications, je suis vraiment navrée. Alors, on est dans... Excusez-moi. On est dans le dojo. De type psychique. Ah oui, donc les plateformes se... Je sais pas du tout comment ça va fonctionner. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Bon, c'est pas des lasers. Donc, je suis bien contente. Ok, je crois que je commence à comprendre. Ah, mon Dieu, j'avais pas vu. Alors, on se bat contre des Temtem psychiques, donc mes Temtem numériques, je crois, et cristal. Ça va être très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il a du Temtem numérique aussi. Ah! Ah! Du coup, je pense que vaudrait mieux que je fasse quelque chose comme ça. Non. Ah! Je fais n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Je voulais juste switcher le kinu qui ne me servira à rien. Il est magnifique là, oui. Là, oui. Non, là on est pas trop mal. Ouais, du coup, non, ça tape sur du neutre. Ah! Le joystick qui déconne. Magnifique. Moi aussi qui déconne. Là, je suis en train de vérifier si ça enregistre au moins. Ça fait que dalle. Il y a 3 Temtem en plus. Aïe. Aïe. Alors qu'est-ce que ça va être son dernier Temtem?
Le starter, ok. J'essaie de garder l'expérience. Ah, c'est bon. C'est fait. Du coup, je suis au début du dojo. Aucun scrupule à aller soigner mon Platymus. C'est ça coûte cher les bombes, hein. Alors déjà. Au passage. Ah, hop. Voilà, comme ça, ça ira bien. Bien, la tempédie est juste à côté. Ça fait plaisir. En train de me faire attaquer par mes chats. Ça ronronne fort. Allez, on y retourne. En tout cas, c'est bien sympa l'ambiance du dojo et puis même cette petite épreuve. Ah, ça change à chaque fois. Ouais, on dirait presque. Il faut faire attention, ok. En vrai, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut comprendre le truc. Ah, c'est pas trop compliqué non plus. Allez, ici. Il y a le rebord. Je veux bien, mais au bout d'un moment, il faudrait me laisser passer. Là, par contre, j'y comprends que dalle. Ça devrait passer normalement. Ou c'est moi qui rêve. Sinon, il y a un gros souci. Un bug? Oh non, 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 mais dites pas que c'est un bug. Bah, je relance l'arène, on sait jamais. Allez, hop, laisse-moi passer.
Alors du coup, après, c'est quoi qu'il faut? Ok, juste devant les portes, ça va bien. Après, je sais pas ce que c'est, une espèce de flèche. Ah, d'accord! J'ai pas compris ça. Ok, donc c'est en deux temps. Et ben, je... Oh purée! Ça va devenir compliqué là. Ok. Ah, je comprends pourquoi il dit ce groove quoi. Merde! Pardon. J'y allais trop vite! Au secours. Faut vraiment suivre les instructions comme... Il y en a trois là-bas, oh là là. C'est... Honnêtement, c'est pas rageant. C'est juste qu'il faut retenir le truc et il faut faire bien attention. Alors... Hop, et... Hop, on va faire ça comme ça, dans un premier temps. Aïe! J'ai eu trop mal. J'ai pas vu combien de thèmes de mes amis. Pas fait gaffe, ils en ont 4. Fou. Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est quoi? C'est du cristal, ça. Ah. Ah. Ça va être un petit peu casse-pied, là. Une bonne équipe pour casser les pieds, vraiment. Wait, je me suis avoir casé deux temtem sur cette équipe. J'ai pas envie d'aller faire des allers-retours, j'avoue.
l'empoisonnera pas, mais ça fera des dégâts. Voilà. Non, sérieux, le pixel de vie. T'as abusé, là. Je crois qu'il va se tuer. Est-ce qu'il a passé dans l'endurance? Je crois qu'il s'est mis KO tout seul. Non. Après, j'ai pas tant de niveau d'avance que ça. Non, pas le lag, pas le crash. Non. Voilà. Allez, hop. Une petite onde de sismique. Ouh. Ah non mais le furtif c'est un peu abusé. Alors hop. Je vais soigner mes temtem, hein, j'ai besoin. Allez hop, ça c'est fait, on est bien. Ça promet contre le champion. Alors qu'est-ce qu'on va me donner là? Réveiller, d'accord. Alors, Vigorant, j'ai pas très envie d'utiliser pour le moment. J'ai deux KO, c'est pas grave. Alors, du coup. Je suis déjà paumé. Je suis paumé, je sais pas où c'est. Donc c'est là. Ouais. Plus ici. Je crois qu'il y en a une là. Oh non! Alors. Les ronds, il y en a une à la sortie. À côté. Ouais. Nickel, ça y est, je crois que j'ai un bon truc, un bon spot là. Alors ça c'est la sortie. Ça c'est ça. Le plus il est là. Et... C'est bon le tapis de DDR là? Donc une musique quand même assez entraînante. Ah bah ça aide pas, dis donc. En vrai, je vais mettre Kimu. Bon, il est réveillé, ça c'est cool. Là, j'ai une bonne paire pour les deux.
88 et 84. Ah oui, j'ai pas vu les niveaux. Ça commence à faire. Oh, ça va faire du... de shot, quoi. Ça fait quand même mal. J'aime bien l'effet. L'attaque est quand même bien sympa. Full vie. Que demander de mieux? Des niveaux de plus? Après j'ai pas XP avant, j'ai pas vraiment XP, j'avoue. J'ai pas refait ma team non plus. J'aurais pu vu que j'ai eu... je crois que j'ai le... la sous-évo du... Ah oui. Mais bon, je... refaire toute la team... Voilà. Ça aurait été mieux, hein, franchement. Mais après, c'est que j'ai pas de Dinky sous la main. J'ai pas vu. Un niveau au pif. Au moins, c'est fait. Sur un malentendu, ça passait. Hein. Par contre, c'est un peu long quand ça remonte et que ça redescend, mais après, faut que... Alors... Les cœurs, ouais... je suis perdue. Par là, il y a des trucs, mais... Je pense que j'avais pas la bonne strat. Il faut repérer en fait où sont les points et où ils sont groupés. C'est le plus compliqué. Alors les cœurs. Ok. Cœur lune, G, soin G, ça G. Ouf. Ça fait loin. Allez. J'ai pas. En fait, j'ai pas. Excusez-moi. Je crois que. Y'a pas que moi qui suis pas douée. Et ça change à chaque fois, en fait. À côté. J'ai ragé parce que je mémorise mal en fait. Alors là, le truc de danse en gros. Je crois que c'est ça. Ouais. Ah, j'étais presque.
Si j'ai paniqué sur la lune. Alors, ouais, j'en ai un. Tac, 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 tac. Il est tout à fait à moi. Je sais plus, c'est un. Non, c'est l'inverse. J'ai pas... Je l'ai pas. Je vais rester bloqué 2 heures dessus. Mais c'est pas rageant. C'est pas de la rage à proprement parler. Non, c'est comme ça, c'est là. Là, trop vite. C'est rageant. De gilité, quoi. C'est que j'ai voulu aller un peu plus vite. Hein. Je l'ai. Les combats sont plus... Ça dure moins longtemps. Mais après, bon, c'est pas... Ça me dérange pas. Et je veux bien que ma mémoire me fasse défaut et que je me rapproche un peu plus d'Alzheimer, mais... Mais c'est... ça me demande pas comme les... C'est pas frustrant. Allez, combien de 5 Temtem. Niveau 72, ça passe. Hein. Et après, bon, je crois que c'est le champion, Percival. Alors, pour moi, il va faire... C'est quoi ce Temtem? Il a l'air sympathique, du moins. Il a un cristal sur la tronche, on dirait. Maintenant, le... Cannabis, le gaz humain, mais c'est pas grave. Alors, il a l'air d'être plante, non? Vol ou plante?
La nature, je veux dire. Oh oui! Et les cristaux et plantes. Mais sympathique le design. Pour moi, Percival, si c'est vraiment le chef du clan Belsotto, déjà il va remplir son obligation de champion. Et après, pour moi, il va fuir. Ça peut pas être autrement. Parce qu'on n'a pas battu ses lieutenants. Enfin si, précédemment, mais le général X, on l'a toujours pas battu. Donc il y aura forcément une phase où on va devoir le courir après, si c'est le chef. Et si ça l'est pas, moi je m'attends personnellement à ce que ce ne soit pas, que ce soit vraiment le chef du dojo. Mais, potentiellement, pas qu'il les couvre, mais qu'il les aide un peu. Ça me choquerait pas. Restore tout ou non. Je m'attends à quelque chose comme ça. Il collabore pour le bien de la population. Parce qu'il veut pas la population qui soit menacée, par exemple. Enfin, plutôt ça que... Ou alors, oh bah c'est des gens très bien, moi ils m'ont rien fait. Mais je sais pas. On n'a pas exploré toute la zone. Et on est déjà au dojo. Pour moi c'est pas lui. Je me suis pas... Vraiment, je me suis pas spoilé sur le... Alors que j'aurais pu. Ça va rien faire, ça c'est cool. C'est l'hécatombe. Mais je crois qu'après il n'y a pas de combat. Sérieux. Ah, une petite piqûre. Bim. Ah oui, j'y suis déjà passé, en fait. Mais c'est bien, mais c'est des gens d'un peu tous horizons. Alors, après ce combat, ou pour nous faire oublier l'hécatombe, on va galérer un peu plus. Alors. Fallait juste que je me concentre un minimum. Il y a apparence d'un juge. Alors, je ne sais absolument pas ce qu'il a comme temtem. Mon platymus, là je pense qu'il fera pas grand chose. En vrai j'hésite à mettre mon kinu, mais... Ouais, je vais mettre comme ça.
Au moins, je peux tempo. Oh oui, il a l'air bien snob, oui, il a l'air bien sévère. Allez, déjà, on va le défier. Je suis là pour vous défier et après on posera les questions. Là aussi, j'aurais bien aimé en avoir un. Dans l'équipe. Ça va résister la mine garde. C'est dommage que ce soit pas comme le mur, enfin le mur lumière que dans Pokémon, que ça protège tout les Temtem. Aïe, ça fait mal. Mal aussi, mais c'est pas grave. Voilà, on débarrasse. Allez, ça va trade. Ou pas. Ouais, c'est bon. Ok, donc le bouclier ça fait juste éviter de piger. Ensuite, mais il a assez l'eau. Bizarrement là j'ai pas d'attaque, je vais attendre que ça charge et le mieux c'est de soigner. Oh oui, c'est le mieux c'était de soigner, oui. Ça va. C'est pas trop méchant pour le moment. Là où il va me... Ça va me faire très mal. Sauf si... Je peux éventuellement switcher. C'est surtout pour mon Kinu que ça va faire mal. Là, je crains rien du Kay et de la Oui avec le Patimos. Oh, je brûle, non! Ah, ça m'embête un peu plus! Mais bon, on va pouvoir placer le Gazuma qui, le pauvre, ne fera pas grand chose. Hein. Ça gèle, c'est bien. D'accord. C'était un tour très très puissant. Ah, là. J'ai eu l'impression de servir à quelque chose. Je me débarrasse de ça. Ah, ça me plaît moins ça. Bon, après, j'avais fait le travail avec le Platimus. Donc, il me reste encore un Atan. Et je sais pas quoi, en stock. Là, un Atan, ça marche très bien. Alors, c'est quoi ce truc? Je n'en sais absolument rien. Ah, par contre, ça. C'est poison et électrique. Non, c'est poison et psy et
et électrique. Là, je risque de pas aimer. Quoique. Oui, le x4. Oh. L'autre, je sais pas qu'est-ce qu'il est comme type. Je vais garder le Nathan jusqu'au bout. Là, franchement. Un petit bum. Non, ouais. Ça fait rien. Il y a des attaques psy. On peut s'y attendre. Il est pas enfin, il est pas résistant. Un poison. Peut-être qu'il est poison psy. Ah, dommage. L'attaque aurait été tellement bien. Là, il a un tour de repos. Un tour où je peux me setup du coup. Donc du coup, ce que je vais faire... Non, j'ai pas besoin d'assurer en vrai. Mais... Par contre, je peux me boost. Allez, au revoir le mental. Ça sert à rien qu'avec le poison, il meurt. Parfait. C'était quoi? C'était le 8e dojo en plus là. Je crois que je les ai tous faits. Je pense pas qu'il y en ait un de plus. Ouais, c'était 8e. De jeux vidéo, merci, allez. Ah ouais, mais il est vraiment odieux, quoi. Je comprends que l'autre maîtresse de dojo, Murdrad, Murdad, je crois, enfin, je comprends pourquoi elle le traitait de snob, quoi. Moi, c'était pas lui. Mais je m'attendais à quelque chose de plus... Pas juste. Mais je suis pas au courant, moi. M'embêtez pas. Faut rester poli. Sortez de mon arène. On l'humilie.
Ah, une humiliation. Pas remanié. On a connu plus net comme bataille. Non, la map, s'il vous plaît. Je crois qu'on va devoir faire un tour. Je vois plein de... les plaques, là. Plein d'entrées, je pense que ça doit être... des égouts, quoi. En tout cas, j'aime beaucoup. La ville, elle a... j'aime bien. Mais c'est vrai que comparé aux petits villages typiques, plutôt écossais, quoi, c'est très snowvinard. C'est... je comprends la vie. Alors, il est où? Il est passé où? Ah, ok. Alors, c'est quoi ici? Parce que je connais pas. Et... non, ben, professeur, vous êtes où? J'en profite, je découvre un peu. Une université aussi. Ah, il y a une porte, on peut aller. Ah, mais je devrais suivre la quête parce que je suis sûre que je vais devoir y aller. Oh, très joli Banshee. J'aime bien le poster. J'aime bien quand même. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, vous voulez apprendre? Non. J'ai vaincu les maîtres du dojo. Ah, les Temtem, toujours les Temtem. Bah oui, le jeu s'appelle Temtem, donc oui. Non, oh, il est trop mignon. Allez, le professeur du bureau, oui. Ça va pas. Décidément, ça va pas. Nous avons été trahis. Ah, vous avez été trahis? Voici la version pacifique. Alors le professeur, ils veulent enlever le professeur, ok. Alors, tige métallique ornée de multiples hameçons. Bah, je sais pas si c'est des hameçons, il est parti pêcher. Bon, bah du coup, on va retrouver... oh, c'est mignon. Retrouver les amis. Et puis quand c'est mes amis? C'est des alliés. Donc, il va falloir aller au pub, je suppose. Le pub, il est pas loin. Ah, le tour dans les égouts. Ah, ça se sent. Oui, c'est surtout que je vois des icônes et je me dis que
À part ça, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Allez au pub. On va en apprendre un peu plus. Ou pas? Ah. C'est toujours aussi vénère. C'est ce... Soit il s'est enfui, soit... Autant dire le pire. Parce que si en fait on le retrouve dans la rue, se balader, oh coucou, je suis là, je faisais juste une course, qu'est-ce qui se passe? C'est plus drôle. Non, je pense que s'il avait vraiment... S'il avait à avoir quoi que ce soit là-dedans, il se serait vanté. Il est... Pour moi, c'est pas lui. J'ai l'impression d'avoir déjà vu. Bah, je sais pas, peut-être que s'il y a des belles photos et tout ça, faire le tournoi encore une fois. Non, bah j'ai compris, hein. De toute façon c'est à moi de m'y coller, faut que ça n'en rien d'autre. Allez, je filme inscrire, c'est bon. Alors, du coup... On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Je pense que le tournoi, si je dois battre un archidresseur, va falloir peut-être faire un petit peu de séance d'XP, au moins de mettre tous les thèmes 80, ça serait sympa. Voire peut-être même remplacer mon Gazuma. Ce serait une bonne idée, je pense. Parce que ça a l'air un petit peu plus relevé. Un archidresseur, quand même, quoi. Il va débarquer avec des thèmes 90. Ou pas, hein. On verra bien. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain épisode.